Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 1 de Resident Evil. Vous pouvez retrouver l'épisode 0 de Resident Evil sur la chaîne. Alors voilà. L'épisode 0 a duré 47 minutes exactement. Du coup voilà, j'ai flippé et ça je peux vous le dire, ma race entière hier soir. Du coup voilà, on se retrouve donc pour l'épisode 1. Je vais avancer pendant 1h30 dans le jeu. Du coup voilà. Alors, il y a peut-être certains qui vont croire que j'ai plagiat Super Chicken. Alors, je pense que ça peut être le pur hasard entre Chicken et moi parce que vous pourrez regarder, on a carrément lancé nos lives en même temps, Chicken et moi, hier soir. Je pense que personnellement, on s'est pas parlé, Chicken et moi, pour faire le même jeu. Du coup, voilà. Voilà, je dis ça, moi je dis rien. Salut Vivia, salut Miss Panda, bonjour à vous deux. Donc voilà, il y a par rapport à Chicken, Super Chicken, voilà. Je le plagiais même pas du tout, je sais pas si lui me plagiait, je pense que non. Du coup, voilà, je pense que c'est juste le hasard. Alors, voilà. Alors, comment ça s'est débuté hier soir? Alors, hier soir, j'ai beaucoup. Ouais, ça a flippé à mort. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment avancer. Même si je flippe, je vais le faire pour vous. On va passer 1h30 ensemble à la place de 47 minutes de hier. Donc, du coup, voilà. C'est parti. Donc, voilà, il fait jour. Parce qu'en fait, ce soir, je ne pourrai pas faire de live, malheureusement. Parce que j'ai quelque chose de prévu. Donc, du coup, je me suis dit, on va faire ça fin d'après-midi. Comme ça, voilà, on va peut-être voir la nuit s'abaisser en même temps. Stylé et tout, vous allez voir ça de toute manière. Voilà. Alors nous avons toujours la petite cam, voilà, comme là, ici, là, là, en dessous. Oh là là, oh, la petite caméra. Du coup voilà, on va commencer, c'est parti. Continuez. Allez hop. Charger les dernières données. Oui, sauvegarder. C'est parti. Let's go. Ça trouve, je suis en train de re-regretter d'avoir relancé le jeu en ce moment même. Mais du coup voilà, il fait jour. J'ai flippé moins, on va dire, vu que voilà, quand il fait jour, j'ai moi la chair de poule, voilà. Alors du coup, femme au téléphone, hein, vraiment parent chez Mia. Hop, qui s'en prend violemment à Ethan. Peu après le retrouvaille, une femme au téléphone dit à Ethan de monter au grenier. Elle dit s'appeler Zoé, mais elle ne donne pas plus d'informations. Ok. Du coup, ah oui, juste donc Mia, notre femme. Oui, notre fameuse femme. Bah oui, parce que Mia et notre femme, en fait, s'en prend violemment à nous. En mode, ouais, non, mais moi je suis pas ton âme, tu vois. Voilà, exactement la même chose que je viens de vous faire. Attendez, il y a juste un truc que je veux, c'est au niveau. C'est. Attendez, est-ce que. C'est au niveau des qualités de texture. La netteté des textures, genre plus haute, vous voyez. Du coup, voilà, alors, hop, on était. Donc, on avait sauvegardé ici, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez bien. Du coup, en fait, on doit essayer c'est d'ouvrir ça. Et en fait, c'est pas possible. Parce que regardez, quand on appuie sur le bouton, voilà, ça fait ça. Cela ne fonctionne pas. Donc, du coup, voilà. C'est un peu la galère. Si vous voyez. Attendez, il y a un petit bruit là que je viens d'entendre. Voilà, hop. Du coup, attendez, vous savez quoi? Je vais jouer à la manette et je vais un peu reculer. Parce que. Voilà. C'est peut-être mieux. Jamais tenter à la manette. On pourrait essayer. Mia! Je suis ton homme, c'est moi! Mia! Bébé, t'es où? Mon amour! Ah ok, d'accord, ça c'est la porte, ok. Attendez une seconde. Je pense que... Non, non, parce qu'en fait, à bout d'un moment, je vais devoir faire une pause parce que ma mère va sûrement rentrer. Mia! Eh oh! Ah ouais, ma mère est là. Alors 2 minutes, je fais vite fait une petite pause si vous voulez bien. Je reviens genre 2 minutes, d'accord? Hop, pendant ce temps-là, je vais vous mettre un peu à baisser le son. J'arrive 2 minutes. Je suis désolé de la pause, hein, ça va durer vite.
Salut d'ailleurs, me voilà. Bonjour Fractum Gaming. Donc voilà. Du coup, comment ça marche? Pareil que la sortie est au grenier. Ok, Mia. Mia. Fais chier. You fucked off. Ah merde. Ah ouais, mais les fusibles sont tout en bas, putain. Putain, c'est quoi ce bordel? Ah putain! Pff, titre putaclic. Bah non, j'ai trop peur. Je sais pas, titre putaclic. Qu'est-ce que tu fous? Bah si, je viens de le faire. Qu'est-ce que tu fous? Ça fait putain de... Oh! Tu fous quoi? Mia. Allez, Mia, reviens là. Mia. Mi. Qu'est-ce que tu fous? C'est dommage que tu fasses. Pas la nuit, c'est beaucoup mieux. Ouais, je sais bien que c'est beaucoup mieux comme jeu, mais bon. Non, mais non, pas la tronçonneuse, Mia. Mais sors ce. Bon, vas-y. Non, Mia. Mais, ok, maman, je fais quoi maintenant sans ma Mia, hein? Ah putain. Maman. Contenir une épidémie. Putain, y a maman, Mia, maman. Tu penses à maman au moins? Y a pas du produit. Ah voilà. Je peux même pas récupérer maman. Maman. Ça c'est ta faute, Mia. Alors déjà c'est pas titre putaclic. D'ailleurs Alexis, j'ai filmé l'épisode hop de les vieux survivalistes. Putain, maman. Ouais, maintenant ça va être chaud, ouais, de me branler à la main gauche. Lol. Ouais, c'est dommage par contre que je fais pas ça de nuit. C'est parce qu'en fait, cette nuit je fais quelque chose en fait. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué. Si tu vois ce que. Voilà, ça va être un peu. C'est quoi ça? Des munitions de pistolet? Oh. The gun. D'accord. Un petit gun. Ah, encore remède, nickel. Alors, hop, par contre, et comment on fait pour. Voilà, comme ça. Mia, c'est fini là. Va falloir prendre des Doliprane, ok? Fini de jouer. Mia, Jogun. Mia, Jogun, faut arrêter de jouer là. Y'a rien là-dedans. Hop. Est-ce que là-dedans y'a quelque chose? Non plus. Peut-être là-dedans. Ouh, c'est quoi ça? Alors, comment on fait pour se mettre accroupi là-dedans? Non, ça c'est la rotaire. Ok. Ok, quand je suis comme ça. Attendez. J'ai cru qu'en plus il y avait une cinématique. Ok, du coup, continuons. J'ai pas confiance. Lol, et je fais quoi, moi? Ouais, c'est bien drôle, hein, mais qu'est-ce que je fais maintenant?
Ah putain, il y a une échelle, j'ai pas vu. What the fuck? Coucou! Coucou chérie! Ah putain, ça fait mal ça. Bah, j'aimerais bien rentrer chez moi si tu me laisses. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Mia? Oh, c'est cool, je peux te laisser comme ça aussi. Qu'est-ce que tu fous avec la porte? Et cette porte-là, je l'avais achetée. Ne, ta pute. Meurs. Je t'aime. Oh putain, j'ai tué Mia. Oh! Bah, c'était facile. Et du coup, comment je fais moi pour sortir maintenant? Je sors comment? Comment je sors? Mia! Mia! Oh, ça fait mal ça. T'es qui? Mais pas le temps de dire t'es qui. Ah putain, c'est chaud. Est-ce qu'elle est morte, Mia? Non, mais je pense qu'elle est pas morte, hein, parce que la meuf tout à l'heure, je lui ai foutu une hache dans le cou, elle était pas morte. Ah, on rentre enfin dans la baraque par contre. Putain. Juste. Allez, pas le moment de claquer. T'as du pain sur la planche. Oh putain, c'est quoi ça? Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous? Où est Mia? Ah. Mange, c'est bon. C'est dégueulasse, c'est quoi ça? C'est des boyaux? Oh putain, qu'est-ce que tu... Tu crois que tu vas te couper la main de ton fils là? Non, je mange pas ça, c'est dégueulasse. Oh! Ferme-la, Marguerite! Fous-moi le camp! T'es qu'un petit enfoiré! Oh, j'arrive pas à croire que c'est des petits enfoirés, ils mangent pas! Ils mangent pas! C'était censé être un festin très spécial. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu fous? Non! 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 Oh! Oh! Ah! Ah, c'est dégueulasse là! Oh putain! Je parie que c'est encore ce flic! Oh là 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 là! Ouais, barre-toi! Barre-toi! Ouais, je veux plus te voir! Oui, barre-toi, vas-y, vas-y, barre-toi. Vas-y, barre-toi, comme ça je vais m'échapper, mon pote. Bonjour, mémé. Ouais, toi, t'es mort, toi. Et comment je fais pour... Ah, ok. Wouh! Vas-y, allez, allez, enlève tes bras, là. Par contre, c'est pas ce quoi, là, maman, elle est... maman, elle est revenue comme ça, par magie. Comme par magie. Coucou, mémé. C'est la chaise qui fait ce bruit là, je vais la mettre là, comme ça on va croire. Ah, attendez, on va. Maman. Ah oui, ah merde, regardez, il y a des. Oh putain, ils ont rattaché maman. Ça,
Ça, c'est de 100 mètres ma vie. Ma vie. Et je dois m'échapper de la baraque. Alors, comment on fait là? Comment vais-je faire? Ah, mais c'est dégueulasse, sérieusement. Qui mange ce genre de choses, quoi? Personne mange ça. Ah, je dois accrocher un objet là-dessus, je pense. Ah, là, il y a un truc. Munition de pistolet. Ah, il y a un truc ici. Trois explorateurs urbains disparus. Les autorités d'État lancent un appel à témoins afin de retrouver la trace de trois hommes venant de la Nouvelle-Orléans, disparus après s'être rendus à la paroisse de Dulvey le 9 de ce mois. Les trois hommes, Peter Walken, Audrey et Clancy, ah, c'est les journalistes, eux, sont connus sur Internet pour leurs vidéos tournées dans des bâtiments abandonnés et des maisons prétendument hantées. D'accord. Du coup, c'est écrit quoi ça? Nico bricolage, si. Corde. Collier de chien. Va, collier de chien! 399$, putain! 4 cordes, une scie. Ok, 20 colliers à chien. Putain, ils doivent en avoir des chiens ici. Miam, quel beau festin! Dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Là, de l'herbe. On va fumer de l'herbe. Ok, ici. Ah, il y a un truc là. Une botte. Il y a un truc dans la botte. Ah, il y a l'air d'avoir un truc là-bas au fond. Ou alors c'est juste la semelle. Ah, attendez, là il y a un truc. Evelyn. Evelyn? C'est qui ça? Alors ici, rien d'autre. Quoi ce bruit? Mémé, c'est toi encore? Fais pas genre que c'est toi. Là, il y a un truc là. Ah ouais, c'est verrouillé. Sans blague. Bon, bah, attendez, on va partir par cette porte là. Garage. Garage. Y a un truc dans le garage? Ok, d'accord. Je dois trouver une sorte de cutter, couteau ou alors une hache. Ce serait bien de retrouver une hache. Ce serait cool. Y a rien. T'as fait nuit. Dans tous les jeux d'horreur, il doit forcément faire nuit. Vous avez vu? Personne n'a vu ça? Je suis le seul à savoir ça. Que dans tous les jeux d'horreur, il fait nuit. Ça doit être verrouillé de l'autre côté. Coucou. Mon pote. Qu'est-ce qu'il fait? Putain. Comment je fais moi? T'as déjà. Parce que j'arrive pas à jouer moi. Il marche sur la droite là. Tu vas ouvrir une porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il fout quoi? Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Putain, la mémé, elle a disparu. Thank you.
Viens vers moi. Il y a un truc ici, clé de la trappe. Quoi d'autre sinon ici? Là, il y a un truc. C'est qui cette meuf? Quoi ici? On doit trouver. Ah, on doit trouver une sorte de. De truc là, il y a une pièce. C'est qui ce mec là? Lucas. Ah, c'est le gamin, celui qui a coupé la main. 25e anniversaire de Marie. Jack et Marguerite. Ah là, il y a un truc là. Salut petit! Trop chou. Ah, je pense qu'on doit tirer dessus. Sur ces trucs là ou les péter. Un truc du genre. Bon, il faut... j'ai la clé de la trappe. C'est déjà un bon truc. On va retourner. Bah, comment on fait? Tu m'as pas vu! Tu pensais nous quitter avant la fin du repas? Vite, 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 vite! N'aie pas peur. Oh putain! Vas-y, 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 vas-y! Amuse-toi bien là-dessous. Je reviendrai te chercher plus tard. Oh! Bon. On avance vite, hein! Bon, il y a l'air d'avoir des trucs. Là, il y a un truc, là, par exemple. Bon. Ah, une pièce antique. Intéressant. Y'a rien. Ah, poids de chargement, nickel. Et hop. Oh, on charge vite fait tout ça. Plan. Nickel, on va voir ça. Ok, du coup. Ah, là ça monte les endroits. On est à la buanderie, donc. Ah, ok, on était là, nous. Hall principal, il faut une clé pour entrer, d'accord. Là, hop, on ouvre, il y a quoi là-dedans? De l'herbe, des fluides chimiques, chimiques, combinaison. On peut en faire un? Nickel! Et hop! Alors je sais plus par contre c'est quelle touche pour. Non, je vais éviter, je verrai ça quand je serai. Quand je devrais me soigner. Ah là, il y a un truc là. C'est quoi ça? Vous pouvez stocker vos objets ici. Ah ouais, on a donc le dossier, on a le permis de conduire demi. Hein. Okay. Bah j'ai rien d'autre à stocker. Ah, c'est peut-être la pièce. Antique. Allez hop. C'est quoi ça? Elle sort horriblement mauvaise. Ouais bah ici je pense qu'on fait jamais la machine. Une boîte. Cool. Ah, on peut l'ouvrir. Dans la boîte il y a un crochet. Nickel. C'est déverrouillé. Un téléphone qui sonne encore. Putain. Déjà, je me demande d'où il y a des téléphones. Bien joué, Ethan. Zoé, c'est ça? Ils sont si sacrés. Toi, écoute bien si tu veux rester en vie. Tu dois sortir de la maison. Il y a peut-être une issue d'aller au principal. D'accord. Oh, le truc à ton poignet est un codex. Ne le perds pas. C'est important. Ok, pas de soucis. C'est important. Si tu le dis, hein. Si tu le dis, écoute. Mais comment je fais maintenant? La mémé elle disparaît. Ok, là. Mais le garage, je peux pas y aller.
C'est à part avec le crochet peut-être, mais je doute. Ah non, le ruban est trop résistant pour lever à la main. C'est quoi? Ah, peut-être ça, bah non, c'est trop fragile. Y a pas de truc là-dedans? Putain, je crois qu'il y avait un mec. Ah mais du coup, comment moi je fais maintenant? Y avait rien, j'ai tout fouillé ou quoi? Ah oui, j'ai tout fouillé. Un petit couteau par hasard? Non, pas là. Pas là-dedans non plus. Ici peut-être là-dedans? Non plus. Rien du tout dans ces conneries. Bah, je vois qu'il y a du monde, mais il y a personne qui participe. Vous pouvez participer, hein, vous savez? J'ai tout fouillé, hein, y a rien. Juste cet endroit-là, mais voilà quoi, je peux pas. Je peux pas y aller. Putain, comment ça se fait? Alors n'hésitez pas, par contre, à vraiment partager. Allez, quoi. Il y a un truc. Salut. Ouvrez! Et vous devez m'aider. Du calme, reculez. Bon. Et ici, monsieur? Non, j'ai essayé, Alex. Pas. Ah ouais, Quoi? peut-être. Moi, Ah non, ouais. non. D'accord. On a eu plusieurs appels à propos de personnes disparues récemment. Vous comprenez pas? Je dois sortir d'ici. Calmez-vous. Vous m'écoutez pas? Il y a une bande de tarés dans cette maison qui essaie de me tuer. D'accord, que les choses... Vous ne semblez pas vraiment être en position de force, là, ok? C'est une blague! Écoutez, comme je vous ai dit, on a plusieurs cas de disparition. Et rien ne prouve qu'un étranger comme vous soit impliqué là-dedans. Bah regarde mon bras, frère! Je vous dirai ce que vous voulez. Bien, on va faire ça. Allez, retrouvez-moi dans le garage. Hé, hey, attendez! J'ai besoin de votre arme. Vous êtes tombé sur la tête. Shérif adjoint. Ok. Monsieur l'adjoint. Vous voulez voir mon nom dans la rubrique nécrologique? Ou vous voulez être un héros et me sauver la vie? La phrase à dire pour avoir une arme. Simple couteau de poche? Ah. Allez. Prenez-le. Que vous aurez. Non, au garage. C'est un ordre. Merci. Mais du coup, attends, je vais aller tester la petite pièce là antique. Qu'est-ce que je vais faire d'un couteau? Je vais aller hop voir avec le truc là pour la pièce antique, bonne idée. Dernière hop. Voilà. Je vais aller voir ça. Simple couteau de poche. Oh, tu sais que tu peux buter un mec hein, avec un couteau de poche. Mais je doute hein. Attendez. Bah impossible d'utiliser ça. Je pense qu'il faut. Ouais, regarde là. En fait il manque une pièce là. C'est vraiment ça qu'il faut. Bon, je vais garder hop, la pièce antique. Bah non, non, je vais aller redéposer la pièce antique. On sait jamais, ça récupère des trucs. Parce que j'ai un petit inventaire. Hein. Et ben. Du coup, j'ai accroché. Peut-être qu'on va pouvoir crocheter des choses. Je sais pas, je suis un peu plus détendu moi dans les jeux d'horreur quand il y a de la lumière. Je sais pas pourquoi. Quand il fait tout noir, j'aime pas. C'est affreux. Tu peux t'attendre à tout quand il fait noir. Dans un jeu d'horreur. Garage. Caisse a l'air fragile. Ah bah avec ça. Munition de pistolet. Ouais mais ça va être compliqué si j'ai pas de pistolet mon pote. Nickel. Quoi? Les trois d'un coup. Non les quatre. Et mon pote. On doit vite se tirer d'ici. D'abord vous allez me dire ce que vous faites là tout seul au milieu de la nuit. Moi? Et vous alors? Moi c'est mon boulot. Votre boulot à vous, c'est de répondre à mes questions. Vous n'allez jamais le croire si je vous dis. Je vous écoute. Hé, hey, remontez cette porte. Remontez cette porte. Oh putain de merde. Il y a flingue, pistolet, pistolet, pistolet. M'en l'air. Saloperie. Je vais tout.
Arrête là, arrête. Ouais bon, ça sert à rien que je te tire dessus quoi. Et ça, je vais mettre la porte. Vas-y. Je sais pas, t'as les clés, tu les mets où tes clés? Il faut les clés, moi je rentre dans la voiture. Les clés sont là. Oh putain. Bah ouais, monsieur a de la force à ce que je vois. Un truc là. Switchit chichmic. Et fluide de chichmic. Eh, belle moto. Merde, moi faudrait vraiment. Là, il y a un truc. Remède. Et pourquoi le mec il est venu tout seul son. Le. Y'a rien là-dedans. Allez. Les clés. Adieu mon pote, allez moi je me barre. Allez, recule. Accélère. Quoi, ça marche pas? Attends, je vais te buter comme ça alors. Fils de pute. Nique ta mère. C'est bon? C'est quoi ce bordel? Ouais, je sais, c'est ma voiture, mais. Oh. Mais t'arrêtes? Wouhou, fais des petits drifts. Oh putain, merde. Finissons-en, toi et moi. Non. Allez, je vais t'emmener faire un petit tour. Non. Oh putain de merde. Ah. Bah ça c'est sympa ça. Ah bah ça va, c'est pas moi qui est mort. Fils de pute. Son truc il bat toujours là. Ouais non mais attends, ce mec là, tu tires 3 balles dans la tronche, il meurt pas. Ben voilà. Il y a un petit... Vite, c'est quoi ça? Mini saut de pistolet. Quoi? Mais même avec ça tu meurs pas? Oh la vache. Regarde-moi le bordel que t'as foutu. Meurs, fils de pute. Oh! Oh! T'es mort là, c'est bon? T'es mort, hein? Ah, il est mort. Ah, oh, bah il voilà une échelle. Allez hop, moi je me barre. Ah, putain! Regarde-moi bien, fiston. Tu vas voir quelque chose de magnifique. Oh non! Regardez. Il vit toujours. Bah il vivait. Bah maintenant il est mort. Oh, c'est clair que là il... il sera plus mort. Oh putain. Allez hop, on se barre de cet endroit. Putain. T'as le pire, c'est pas ça. Le pire c'est le gosse hein. Ah, j'ai récupéré un truc là, c'est quoi? Ah, bah, faut encore des fuites chichmiques. On va encore faire des remèdes. Nickel. Ah, bah, là voilà la pièce. Super. Allez hop. Voilà. Du coup, il n'y a rien d'autre ici. Non, y'a rien d'autre. Par contre, ça m'étonne. Genre, l'explosion de ma KU et la porte du garage, elle survit toujours. Ça me semble très louche tout ça. Elle a une corde. Non, on peut pas la récupérer. Et allez, hop, on se barre de cet endroit. Allez hop, on pose. Ah, j'ai récupéré des munitions de cartouches de fusil à pompe. Intéressant. Attendez, il y a le truc là que je dois... Oh, attendez, on va le faire au couteau.
Je pense qu'on peut. Ouais, voilà, nickel. C'est un petit défi, je pense, ou un truc du genre, comme dans les jeux. Bon, par contre, tu vas te refermer si tu veux bien. Voilà. Parce que c'est pas que j'ai pas confiance, mais j'aime pas quand c'est. Montagne Arclay 1911. Ah. Non, non. Ouais, prends le petit couteau. Nickel, de l'herbe. Hop. Ah, là, on a des trucs sur des pistolets. Intéressant tout ça. Ben voilà, on est arrivé dans le hall alors, je pense. Ouais, on est dans le hall principal. Ah. Ben, c'est cool, on avance petit à petit dans le jeu. Poudre à canon. Pièce antique, nickel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pièces antiques? Allô? Mon père t'a donné du fil à retordre? Ton père? Oh putain. Il l'a été. Je suis désolé, mais. Mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Quoi? Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Je te rappellerai. J'ai remarqué en même temps qu'elle parlait, regardez, il faut encore un truc pour sortir, putain. Trois têtes. Trois têtes de chien. Ça par contre c'est vraiment flippant. Ah, attendez, attendez. Si je me rappelle bien, on avait besoin de ça. On avait besoin de d'une pendule. Pile ici, regardez. Dans l'autre pièce là à côté, vous vous rappelez ou pas? Je me rappelle tout à l'heure quand on est arrivé. On va pouvoir l'utiliser. Et ouais, moi j'ai plus peur maintenant. Mais je pense qu'il y a plus peur, il y aura pas trop de screamers ici. Et où est-ce qu'il est le truc? Ah putain! Et voilà la première tête de chien. Nickel tout ça! On avance vite! Alors le jeu, il y a des gens qui l'ont fait en 3 heures, 2, 3, 7 heures. Le jeu, il est pas si long que ça, au fond. Mais il est tellement bien scénarisé. Tellement bien scénarisé, ça c'est clair, ça. On va poser la première tête de chien. Voilà, il manque plus que deux têtes maintenant. Alors... Il y a un truc là-bas. Oh putain, il y a fusée à pompe. Oh putain, on va y aller. Oh là là. Merci. Oh non, sérieux, on peut pas. Bon, je vais déjà le recharger. Comment ça marche, ce mécanisme? Ah ouais, c'est qu'on retire le fusée à pompe, en fait. Ah merde, faut qu'on trouve genre un truc pour qu'il a le même poids que le fusil à pompe. Putain, j'ai vu quand même un truc là ici sur le côté. On peut poser quelque chose. Genre quoi? Tu sors tic? Ah non, ok. Faut qu'on arrive à trouver le même symbole que ça. Ok. Ah, du coup, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bon, ben on va monter à l'étage. Attends, peut-être la porte là sur le côté. Il y a un truc. Plus de 20 disparus en 2 heures. La capitale Owen de la police d'État a annoncé à la presse les débuts des recherches pour tenter de retrouver Hélène McDiff, une étudiante d'origine du Caroline du Nord en voyage en Louisiane. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. Les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative au cours des 2 dernières années. Hop. On compte aujourd'hui au moins 20 personnes disparues, dont la plupart sont des touristes ou des personnes errantes. La police, qui privilégie la piste criminelle, soupçonne un lien entre la différence incident entre les différents incidents, compte intensifier les enquêtes du voisinage et déployer un plus grand nombre d'effectifs dans la région. Alissa Ashcroft, 19 janvier 2016. Ok. Ah merde, faut Nicolas pour ça. Eh bah putain, ils veulent vraiment pas qu'on sorte. Bon bah, c'est parti pour le premier étage alors. Ah, il y a une petite porte ici, j'avais pas vu. Fuite chichmic. 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 Fuite chich. Si, chichmic. Oh putain, j'arrive même plus à parler. Ah la mémé, le retour.
Lol. C'est qui cette fille? Evelyn, 2 mai 2014. Faut quoi une clé? Putain, il faut que des clés ou quoi dans le jeu? Attention, mémé, hein. Moi je te vois. On s'est à l'œil tous les deux. On s'est à l'œil. Mais en l'air! Ah, un petit casque. C'est peut-être le hobby. C'est peut-être un hobby du père. Rugby? Ouais, peut-être. Ah putain, regardez, il y a la mer. J'ai entendu un truc. Ah, c'est tellement glauque. Et là, je lui tire dans la gueule. Et une de moi. C'est quoi ce bruit? Bon, on va continuer. Je vois que la mer, je sais pas où est-ce qu'elle part. Hop, on a une petite lettre ici, Marguerite. Vire du hall ce connard depuis qu'on a attrapé et fous-le dans la zone de traitement. Ok, pièce antique, nickel. Hop. Encore un petit truc comme ça. Ah, fusil de l'autre côté, il faut une clé. Il faut la clé de scorpion. Est-ce qu'on a d'ailleurs une carte ici? Ah ouais, chambre de la grand-mère, chambre d'enfant, salle de bain. Chambre d'enfant. Ah, donc ils ont un enfant. Ah, là on a un petit truc là. Mia. On a une caisse. Bon, c'est quoi? On va aller la rembobiner. On va aller la rembobiner maintenant. Un livre. Tête de chien bleu. Nickel, tout ça. Hop. On dit qu'une tempête approche. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de consolider le toit. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. Hop, 9 octobre. Lou s'est enfin retiré, la maison n'a rien, mais la vieille maison est sacrément endommagée. Lucas nous rabat les oreilles à propos d'un énorme navire qui serait échoué dans le boyau. Si c'est vrai, je ferais mieux d'avertir la paroisse. J'irai voir ça demain. Un vieux bateau. Bon. Oh ben ils savent pas jouer aux fléchettes. Hein. Du coup, c'est parti. On va aller rembobiner la cassette de Mia. Let's go. On va encore devoir jouer en plus. Ça va être chiant, ça, je le sens. Ethan, s'il te plaît, regarde ça. Mia Withers, vieille maison. Juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Je peux pas la laisser m'attraper à nouveau. Oh putain, tous les bébés. C'est quoi, je joue en plus, putain. Pourquoi tu te fermes tout seul les portes là? Voilà! Voilà, de tu te fermes toute seule, de tu te fermes toute seule. Ah. Putain, c'est glauque cet endroit. Ah! Non, pas les enfants. Petite pute, salut Lucas 34. T'es qui toi, jeune fille? Ah! Même ça me fait flipper, vous vous rendez compte? J'aime pas les enfants, je déteste les enfants dans les jeux d'horreur. C'est ce qui me fait chier le plus. Parce que t'apparaît, ça te fasse un screamer de merde dans la gueule. Pourquoi elle s'éteint toute seule maintenant les bougies? Attendez, hop, là il y a un petit
petit temps de latence là, ça c'est en mode ouais mais mec ton jeu là. Je me barre d'ici. Attendez hop, j'ai juste baissé les graphismes parce que ça va pas. Moi là l'année prochaine direct je m'achète une nouvelle carte graphique parce que ça va pas. Elle va venir vers moi, je le sens. Ah putain. Message retiré. Merci d'avoir retiré ton message, Lucas. Chaîne ping-pong. Salut Cookie 4 Studio. Je ne sais pas qui es-tu, mais. Mais bon, voilà. Allez, ferme la porte. J'aime pas ouvrir, j'aime pas laisser les portes ouvertes. Merde. C'est quoi ça? On dirait une pièce. Putain, elle est là, la vieille. Ah, ils se connaissent, Mia et Zoé. Bon, allez. Tu te barres? Ouais, j'avoue, via pas. Ah, hein, via pas. Oh putain. Oh putain de merde. Merde, elle va par là. Viens surtout pas par moi. Viens surtout pas vers moi. Oh putain. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. Oh là 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 là. C'est tellement chaud. Oh, en fait, elle est juste encore à côté. Nous sauverons notre maison. On dirait le petit gobelin là dans Seigneur des Anneaux. Monseigneur. Mon précieux. Et qu'est-ce que c'est que cette pièce là? On dirait une pièce de. On dirait un chalumeau. Lol. Bon. On n'a pas visité ce côté là. Il n'y a rien du tout. Il y a l'air d'avoir rien du tout. Ok, du coup, hop. On va faire ce truc là. Alors, comment ça marche? Faire une sorte d'araignée. On a déjà le début de l'araignée là. Non, ça marche pas. Peut-être de l'autre côté, mode comme ça. Attendez. C'est juste hyper chaud. Non, je doute que c'est ça. Attendez. Là. Il y a l'air d'avoir un truc là. Non, c'est pas du tout comme ça. Par contre, c'est de l'autre côté. Ouais, comme ça, je pense. Ouais, comme ça. Bingo. Ouais. Ça le fait. Voilà, ça le fait. Regardez, ça le fait. Hobbits et ses gollums. Bah, il y a ça aussi. Non, il y a dans Hobbit et il y a dans Seigneur des Anneaux. J'en suis certain, dans Seigneur des Anneaux, il y est. Je pense. Pour moi, il y est dans Seigneur des Anneaux.
Ou alors c'est juste moi qui me trompe. Et c'est Gollum, juste. Là, il y a la mémé à gauche qui nous attrape et qui nous jette. Oh putain. Putain, non, mais je vois bien la maman qui se ramène et qui nous sort du mur. Ah non, même pas. Putain, ça aurait fait tellement un truc genre hyper flippant en plus. Attends, ici il y avait la petite. Elle veut que nous soyons une famille, bon sang. Toi, toi, tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don. Hein? Salut. Coucou. Coucou. Salut toi. Ça va? Moi ça va bien. J'en ai assez de petits jeux avec toi. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Salut Alpha. Ah mais en fait je suis con, j'aurais dû me casser. Attends, elle va refaire son petit tour. Lol. Allez hop, je descends vers le bas. Salut Alpha. Non, 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 non. T'essaies même pas de dire. Ah. Ok. C'est sans issue, jeune fille. C'est sans issue, jeune fille. Pourquoi il y a des trucs qui sont tout seuls? C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? En plus, ça se sentait à des kilomètres qu'allait avoir un screamer. T'es vraiment moche, la meuf. Salut Alpha. Ouais, bah, je t'ai déjà dit. Ouais, ouais, excuse-moi. Alors, déjà, s'il te plaît, tu m'appelles pas Ping Pong. Hein. Et ouais, c'est ça, je veux bien plus tard. Pas maintenant. Et ouais, je fume ma race en ce moment. Putain. Plus jamais je veux ça moi. Dire que je suis obligé. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait Mia? Putain. Et moi, je. En plus on peut se la refaire à la cassette, tu vois. Je veux pas la refaire. C'est bon. Ah, le petit jeu est fini. On va continuer. Jazz World. Love Session. Ah, c'est l'escalier. Et genre, on peut. Oh, ouais, non, non, j'ai pas envie de risquer ça. J'ai pas envie de me retaper tout le chemin, moi. T'as le bruit que ça fait. Oh, on peut crocheter ici, on va le faire. Munition de cartouche de fusil à pompe. Lag, lag. Ah. Si ça lag, j'en suis désolé. Viens m'acheter une connexion alors, si tu veux bien. Ah, on peut faire des cartouches. De quoi de fusil? On va vous refaire, allez hop. On en utilise un, c'est parti. Non, on va juste le déplacer, si tu veux bien. Non, pas l'utiliser. Merci. Une herbe. Ah, on peut encore... Bah non, on peut pas. Ça m'aurait étonné. Il reste plus que cette petite porte, mais le problème c'est que... Ouais.
J'avais pas vu cette porte. C'est vrai. Putain, le bruit, je suis sûr, ça m'a fait flipper. Genre une montée d'adrénaline. Ici, une munition de pistolet. On peut faire un truc avec la baignoire, mais de mieux. C'est quoi ces baignoires? Ah, mais je... dégueulasse. Ah, statue en bois. Crasse à descriptif, tapisse la baignoire. Ah, le truc en bois, je sais parce qu'on peut l'utiliser. Ah, oh, putain, j'en étais sûr. Ça surprend, tu trouves pas? Ouais. Encore plus fort que la mort. Ma petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi en permanence. Comme tu peux le voir, la famille n'est qu'une partie de son don. Alors. Allez hop, on va se dépêcher d'aller faire le truc en bois là. On se barre de cet endroit. Voilà. Avec vite, vite, on le fait. Et là, il y a l'air d'avoir un truc, un aigle. Bingo. Putain, c'est quoi ce truc de merde, quoi? Ah, c'est Augustin ou quelqu'un d'autre par hasard? C'est Augustin, coucou. Parce que je vois pas t'es qui, mais je pense que c'est sûrement Augustin. Je salue à toi alors. Allez, s'il te plaît, mais un truc, je sais pas. Ah, bingo. Peur. Ouais, je suis le maras et j'assume totalement. J'aime pas les jeux. Je déteste les jeux d'horreur et voilà quoi, je le fais parce que j'ai voilà tout simplement, mais bon, j'assume totalement ma peur. J'ai pas de couilles, clairement. Chaîne, d'accord. De l'herbe, nickel, y a pas de truc. La donne à cheminée, y a pas encore quelque chose. Rien du tout. Là-bas non plus, on sait jamais. J'ai entendu... Mais c'est quoi ces bruits de porte, hein? Il faut quoi? Merde, il faut une porte... Ah, il faut une clé. Clé de corbeau. Hop. Munition de pistolet. C'est quoi ça? Des psychostimulants. Ah bah attendez, on va utiliser ça parce que en plus j'ai tellement de choses là. Allez hop, on utilise. Il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas vu. Ah, peut-être là-dedans, voilà, par exemple. Et on a un fluide chichmique. On va faire hop. Encore un nouveau soin, on va faire que des soins parce que c'est super cool les soins. Ah putain, dans la pièce à côté, il y a plein des trucs. Ah, attendez. Ah putain, il y a une arme en plus. Faut qu'on arrive à avoir la clé de corbeau. Il faut accrocher, bah ouais, ça m'aurait pas. Pièce antique. Ok, on peut ouvrir peut-être la boîte. La baraque vient de bouger ou je rêve? Ok, la baraque elle bouge toute seule maintenant. Alors, 14 juillet, couple en vacances, résultat concluant pour le mari. Il est le 12e, malheureusement la femme n'était pas apte, donc on va se débarrasser d'elle. 7 juillet, 3 étudiantes, elles ont pourri toutes les 3, Lucas est un imbécile. 13 août, sans abri, il a muté en 3 jours, c'est le 13e. Ah, il y a un truc là, une petite photo. C'est quoi? On dirait un monstre. On dirait un dessin d'enfant, Mia. C'est pas Mia qui a fait un dessin, je pense.
Ou alors là c'est pas dessiné. Ah c'est quoi ces trucs? Putain! What the fuck? C'est ça. Ah, c'est sûrement le truc qui a muté là. Attends, et ça ressemble trop en plus. Putain, c'est quoi c'est. Ah. Putain, c'est une baraque. Ça va, ça m'a fait. Je sais pas si ça devait faire flipper les gens normalement, mais moi ça va. Ça m'a pas si fait flipper que ça. Ah, on a... ah, là on est derrière la porte là. Ça continue par ici. Ah, mais j'ai oublié d'aller déposer la tête de chien d'ailleurs. Ah, on a un petit point de chargement ici. Hop. Ah, je vous jure, ça me plaît bien là le jeu. En tout cas, ah, on a un petit truc. Courtenay. Alors, ces enfoirés sont à mes trousses, mais peut-être que ça te donnera une chance de sauver ta peau. Il faut absolument que tu trouves les têtes de chiens sculptées qu'ils utilisent comme clé. J'en ai vu dans la salle de dissection au sous-sol, mais la main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. Ah, il y a une suite là. Je sens que quelque chose ne tourne pas rond chez moi. C'est sûrement cette saloperie qui m'ont fait avaler. Si je dois y rester, je veux au moins me battre. Je vais m'emparer du fusil que j'ai vu dans la salle de jeu. Et leur faire regretter ce qu'ils m'ont fait subir. Je dois partir d'ici, Courtenay. Je t'aime, Travis. Ok. Hop. Poser ça. Pour l'instant, la tête de chien, j'en ai pas besoin. Les cartouches de fusil à pompe non plus. La poudre, je vais faire des munitions de pistolet. Ah merde, non, j'ai pas assez. Bon, du coup, on va les garder pour faire. Hop, on va poser la cassette de mien. Et puis ça va aller, je pense. Et non, ouais. Ah si, on peut faire ça. C'est quoi? Munition améliorée. Ah, intéressant. Alors, chez G pour changer de munition, ok. Mais du coup, moi, j'aimerais bien c'est changer ce truc-là. Je vais pas le mettre là. Ah, ok, voilà. On peut changer les munitions. Ah ouais, G. C'est quoi, on va faire ça. F. Ah ouais, mais on a déjà vérifié ces conneries. Bon ben c'est parti, on va partir de la salle de dissection alors. Mais c'est dans le sous-sol comme il avait dit, donc c'est parti. Oh, j'ai oublié d'aller charger, j'ai oublié d'aller charger. Putain, si j'aurais pas chargé, on aurait été dans la merde. Hop, on sauvegarde un coup, ok c'est bon. Ah, puis écouter de la musique ici. Ah, je pense qu'en fait c'est les portes qui se ferment toutes seules qui font un bruit comme ça. C'est dégueulasse. C'est verrouillé de l'autre côté. Je vois bien le truc qui spawn là. Putain, j'en étais sûr. Putain. Est-ce qu'on peut contrer là-dedans? Parce que... Non, on peut pas. Ah si, comme ça. Il y a un truc dedans. Hey les gars, salut Zax. Max, tu n'es pas... Tu as pas safe. Ouais, bah merci, je vais le faire, c'est bon. Merci. Pas de truc là. Ah. Futschmick 4. Du coup, on peut faire quoi avec ça alors? Des... Ah, c'est quoi ça? Remettre premier soin fort. Allez hop. On en fait un. On va le foutre. S'il te plaît, on va te foutre là, toi. J'ai que des remèdes, frère. Lucas, j'ai attrapé le type qui passe son temps à essayer de s'enfuir. Je l'ai enfermé dans l'incinérateur tout à gauche pour qu'il ne puisse
puisse plus s'échapper. Charge-toi de lui quand elle sera prête. Tu te souviens comment ouvrir la porte, n'est-ce pas? Retiens juste 3A et une empreinte de main. Fais ce que tu veux de la fille. Fais ce que tu veux de la fille. Genre en mode, ouais, tu peux la violer, quoi. Retiens juste ça. 3A. 3A, pourquoi? C'est verrouillé. Y'a rien dans le tout. Il n'y a rien là-dedans. C'est verrouillé. 3A. Ah, peut-être que... Peut-être en ouvrant juste le troisième, c'est bon. Alors. Oh putain. Ah ouais, lui il est beaucoup plus gros. J'ai bien fait de changer de munitions. Attendez. Concentration. Voilà. Oh putain, j'ai niqué en plus avec les 5 balles. Oh, je suis trop fort. Oh là là. Oh. Salope. Du coup. Clé de dissection. Nickel tout ça. Bon, on va continuer. C'est fermé. Chichmic. Ah putain, y'a un mec. Wow, y'en a deux. Attendez, y'a l'autre qui me suit là derrière. Ah putain. Ah. Ah putain, qu'est-ce qui... What the fuck? Putain, faut que j'arrive à avoir le fusil à pompe, ça va pas là. Faut que j'arrive à avoir le fusil à pompe, ça va pas. On va essayer de remonter juste. Ah, attendez. J'avais pas vu ça. Attendez. Y a trop des bruits chelous dans ce jeu. Faut qu'on soit d'accord. On va essayer d'avoir la clé scorpion, je pense qu'il y a pas scorpion, de corbeau, je pense, ouais, c'est ça. Faut qu'on arrive à l'avoir, et dès qu'on arrive à l'avoir, hop, on va choper le fusil à pompe, parce que, là, juste avec deux mecs, d'ailleurs, je me soignais. Ah bah, elle est là. Comment on fait pour soigner? Attendez, faut que j'aille voir. Ah. En même temps, on fait une petite pause. Configuration des touches, soigner... Me soigner, c'était RL. Hop. Comme ça, moi, j'en suis sûr. Voilà. Clé de scorpion. Nickel. C'est ce qu'il me fallait. Mais je pense... Ah merde, non, c'est la clé. Ah, j'ai vu qu'il y avait un truc là, c'est écrit. Qu'il y avait... C'est écrit quoi? J'y cache quelque chose ici, trouve-le si tu es capable. Ah, ouais, on va aller chercher ça maintenant, vous savez quoi. On continuera ça après. Ouais, parce que... Ah! Putain! Fils de pute! Putain, je savais pas que ça allait comme ça. Moi, je crois que c'est bon. J'ai passé la zone. Y'a pas de mob qui a spawné. En plus, je suis certain qu'il y a des trucs comme ça. Quand il y a des gros trucs comme ça, je suis certain qu'il y a un truc qui va spawner. Bah non, y'a rien qui spawn. Quand je crois qu'un truc va spawner, ça spawn pas. Et quand je crois que ça va pas spawner, bah ça spawn. On va les sauvegarder en même temps. Tant qu'on y est. Et on va hop en même temps aller chercher. Alors ça j'en ai plus besoin, je sais où est-ce que c'est. Ah mais j'ai un crochet. On va les ramener à la tête de chien en même temps. Et je crois qu'on peut. On va faire des cartouches de balles. Toujours utile. On va sauvegarder. Toujours sauvegarder dans ces jeux-là.
Et puis on s'arrêtera bientôt là, je pense. Je pense qu'on va essayer de choper le fusil à pompe et puis on s'arrêtera. Là, c'est par là. Juste. Mais attendez, c'est là-dedans, ouais, ici, là, on peut crocheter. C'est ce que je vais faire. Cartouche de fusil. Ouais, bah j'aimerais bien vraiment l'avoir le fusil à pompe, à moi. Ah ouais, bah, hey, j'étais venu tout à l'heure au même endroit. Stéroïde. Bon, tentez, c'est quoi? Renforce le système des muscles et augmente votre vie maximum. Les effets sont permanents. Cool. Je deviens plus fort. Ah, je trouve la clé à corbeau. Je vais trop récupérer l'arme qui est derrière. Ah, j'espère qu'il va pas encore avoir le vieux là. Il est pas là. Ça va, il est pas là. Hop. On va poser la tête de chien, il en manque plus. Par ici, mais c'est. C'est le voix du mec là, Lucas. Qu'est-ce qu'il veut encore? Viens voir ici, petit. Putain. Il dirait trop que je suis son chien. Putain, elle est là, le père. On va essayer de l'éviter. Ah ouais, c'est bien la classe scorpion, nickel. Allez, comme ça on rentre dedans et on est safe. Ah, nickel, la fusée à pompe. Cassé. Ok. Ah, en remplaçant avec le truc, bonne idée ça. Vu qu'il est cassé celui-là. J'en ai marre de courir après tous ces abrutis dans le jardin. La prochaine fois que l'un de nos invités tente de se faire la malle, cache. Quoi, il est là? Alors l'horloge. Ah si si. Oh putain merde. Juste de l'autre côté. Montre-toi, montre-toi, sors de ta cachette. Non, j'ai pas pris la clé corbeau, je l'ai pas. C'est Arthur Van Deven. Ah ok, cool alors. Salut à toi. Mec, je crois que le chalumeau c'est pour pouvoir prendre le fusil. Le chalumeau, le problème c'est que c'était dans une vidéo en fait, c'était une sorte de memory, tu vois. Madame Baker, comment vous sortez-vous ces jours-ci? Cela fait un certain temps depuis votre dernier check-up. J'écris car j'ai terminé l'examen des résultats de votre scanner. Ces zones sombres dans votre crâne sont des structures fauchoniques qui s'apparentent à de la moisissure. Il se peut que les excroissances soient à l'origine des hallucinations visuelles et auditives dont vous m'avez fait part. Si vos symptômes sont effectivement dus à un parasite fongionique, celui-ci doit être retiré avant qu'il soit trop tard. Je ne veux pas vous affoler, mais je suis très inquiet pour votre santé. Je vous invite à vous rendre à l'hôpital dès que vous recevrez cette lettre. En tant que médecin, je vous recommande vivement de passer quelques examens approfondis. Crawford Lang, Hôpital Général du Veil. Ah, je suis là, j'ai raté quoi? T'as rien raté, t'inquiète. Bah, on est rentré dans la baraque. Donc, on était dans la maison abandonnée. Mia, en fait, a essayé de nous buter, donc ça va, elle est toujours vivante. Et là en fait on essaie de récupérer un fusil à pompe pour en fait obtenir une tête de chien. J'ai déjà les deux têtes de chien pour pouvoir en fait ouvrir une porte pour aller à l'extérieur. C'est quoi? Sexy. Mission de pistolet, y a rien d'autre. Fuite chimique. Une canne. Hop, on va
Merde, je peux pas. Il est plus là, le mec, hein. D'accord, il est plus là. Peut-être dehors, je sais pas. T'es trouvé. Ah! Salut, mon gars. Comment ça va? On va sauvegarder, on va sauvegarder. Salut Sonia, bienvenue. On va aller faire de la place de mon inventaire. Tu sais ce qu'on m'a dit, famille un jour, famille toujours. Moi, on m'a dit, nique ta mère aussi. T'as Fabien dit chimique et non pas chichmique. Ah ouais, c'est fuite chimique et pas chichmique, putain. Juste, juste. Exactement. Du coup, on va... Ah ouais, mais comment je fais? On va poser ça. On va poser des munitions de pistolet, tant pis, hein, parce que je vois pas comment on pourrait alors. Voilà, comme ça, hop, on a de la place et puis c'est bon. Il est là-bas de l'autre côté, je suis certain. Famille un jour, famille toujours. Faut que tu trouves une réplique de fusil. Ouais, j'ai déjà trouvé la réplique de fusil, c'est bon. Hop. Hop, on va poser le fusil cassé. Nickel, tout ça. Et voilà, on va aller vite aller enregistrer maintenant. Puis comme ça, c'est bon, c'est fait. J'ai enfin le fusil à pompe. Enfin, on va pouvoir continuer, on va continuer un peu. Allez hop, on va aller dans la salle de dissection maintenant. Après, dès qu'on aura fini la salle de dissection, parce que j'ai quand même envie d'aller dans la salle de dissection. Dès qu'on a fini la salle de dissection, en fait, on va ouvrir la porte de l'extérieur. Et après, on va aller retourner enregistrer et on terminera sur ça, je pense. Je pense que c'est un bon plan, tout ça. Ouais, je trouve que c'est un beau plan. Alors, par contre, pour la salle de dissection, j'en suis certain, il n'y a que des mobs. Donc, du coup, hop. On va faire ça. On va prendre tout ce qu'il faut. Munitions, ouais, non, pas munitions de cartouche de fusil à pompe. Voilà, allez hop, 14, fuite chiche. Ah putain, chichmique. Voilà, c'est compris. Bon, non, ça c'est fini. On va laisser ça, ok, c'est bon. Hop, c'est parti. On va enregistrer toujours. C'est parti maintenant. Direction la salle de dissection. On va prendre. Le gros. Moi j'hésite. On va prendre le pistolet. On va continuer un peu avec le pistolet. Quand il y aura des gros boss, on prendra le fusil à pompe. À part si je vois qu'il y a trop d'ennemis. Alors, on va continuer par là. Hop. Du coup, j'y pense, mais tous les ennemis rip. Je sais pas, mais je sens qu'ici il va avoir quelque chose. Putain, j'avais raison. Petits ennemis. Alors, vous venez, bande d'enfoirés. Quoi? Tu dois recharger? Bande de merde. On est où là? On est à la chaufferie. Attendez, est-ce que pour voir s'il n'y a pas d'ennemis là, j'en ai de sûr. C'est la chaufferie. Il y a le chauffage dans la baraque, je savais pas. Okay, est-ce qu'on a de l'herbe? On avait de l'herbe, si je me rappelle bien. Hop, à plus fort, nickel. Faut quoi ici? C'est ça la clé. Bingo, c'est la clé. Merdia. J'allais être son père. Mais maintenant, Elric, c'est lui qui sera son père.
Je vais le trouver. Et je vais le faire souffrir. C'est chaud la scène. Était plus vite, Ethan. Alors, c'est chaud la salle de dissection, prépare-toi bien. Ok, bah merci beaucoup. Je pense que ça va être aussi chaud vu que le père est dans la salle de dissection. Donc, ouais, je pense que il va y avoir une battle finale. Surtout, attends, ils nous ont tellement bien préparé. Bah, ça va, je suis prêt de toute manière. Ah, attendez. Ah non, je peux pas faire des munitions. Ah merde. Ah, bah attends, si on peut en faire, qu'est-ce que je raconte? Ah non, il faut de la poudre à canon. Ce serait le moment de me donner de la poudre à canon. Ouais, ça c'est clair. De l'herbe. Ah, voilà la salle de dissection. Je vais aller voir mon pote. Putain, mec, je suis tellement désolé pour toi. Hé, hey, regardez, il se transforme. Mais regardez sa peau. Et pourquoi tu prends pas la radio, t'appelles les autres? Vous avez vu, c'est con, hein, mais... J'ai tellement raison, hein. C'est bon, là, j'ai des... là j'en ai bladé des... des remèdes, là, c'est clair que... Genre, on pourra faire la fête avec les remèdes. Lol. On a quoi ici? Faut y aller, par là on peut pas. Non. Eh bah y'a pas un truc. Bingo, poutre à canon. Allez hop. Mais j'en avais des forts, non? Ah non, merde. Je l'ai pas utilisé pour faire un... Non. Bon. On va continuer. Ah, c'est quoi ça? Ah bah là voilà. Bingo. Mais il est où le père? Ah bœuf, ben voilà. Salut toi, ça va? Moi ça va. Ah. Ça va bien. Oh putain, il y a une tronçonneuse derrière. Ah. Oh ma tête. Attends, on va prendre le fusil à pompe. Là c'est fini de jouer mon pote. Si t'as pas compris. Le jeu de mots. Oh. T'as compris le jeu de mots? Ça sert à rien que je te tire dessus, je sais bien, tu vas pas crever. Ah j'ai une idée. Peut pas. Vous n'avez pas cette place dans votre inventaire. C'est une blague. Faut que je fasse de la place dans mon inventaire. Salut. Ouais, moi ça va bien et toi? Ouais, ça va très bien. Écoute. Écoute, si on peut s'arranger, hein. Parce que j'ai plus de place dans mon inventaire, tu me prends des trucs, si tu veux. Et puis voilà, puis voilà. Tout simplement. Attendez, y'a de la place là? Y'a pas de place. Bah ouais. Sans blague. Faut qu'on utilise un remède. Y'a de la place là. Deux, il en faut deux. Pourquoi je peux pas? Ah putain. Ah je sais. En fait quand il fait le truc avec la hache, il faut quand il fait le truc. Mais par contre il change tout le temps d'arme. Tout à l'heure il avait une pelle, maintenant il a une hache. Ça change. Ah viens sale pute. Toi, tu penses pouvoir me faire mal? Ouais, écoute. Ah oh, putain. Ça c'est ma tête, trop du cul. Vas-y, fais-moi du mal. C'est pas comme ça qu'on fait? Qu'est-ce que je... Ah, il a plus de hache là. Merci pour la hache. Oh putain. Pourquoi tu prends la plus grosse tronçonneuse toi? Vas-y, viens vers moi, viens vers moi. Vas-y, approche. Allez hop, on va chercher la tronçonneuse. Voilà, ça c'est un
J'ai une idée. Pourquoi j'ai... C'est quoi? Tu veux la jouer à la tronçonneuse? On va jouer ça à la tronçonneuse. Ah putain! C'est quoi ça? M'en fous. Essayez de maintenir pour embrochement. Pourquoi? Pour embrocher? Ah, je pense que j'ai trouvé. En fait, il faut lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il tombe par terre, vous voyez? Pourquoi il court? Bon, attends, ça a l'air de pas fonctionner tout ça. Aïe, putain! C'est bon, je me suis bien tenu. Allez, vas-y, recharge. J'ai botté le cul. Je dis ses répliques avant lui. Putain, il a encradusé toutes mes meunes. Putain, ça dure 3 ans. Mais ouais, mais mec, tu fais quoi là? T'es malade mental ou quoi? Tu vas pas bien dans ton cerveau, mec. Tu vas pas bien dans ton cerveau. Allez. Tirer, ça sert à rien. T'es sûr? Parce que, bah, pour moi, ouais, bah si, regarde, ça sert à quelque chose. En fait faut lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il fasse le truc là. Tu vois? Qu'il tombe par terre à genoux. Ah, il fait pas ça tout seul hein. Oh non, non. Non. Putain. Oh, je suis retombé ici, je dois tout refaire. Putain. Mais j'ai compris en fait au début. Non, attendez, je vais faire de la place là. Genre ça, y a plus besoin. En fait, au début, il faut. Qu'il tape par terre donc avec son arme. Reste longtemps dans le gros truc quand il est à terre. Comment ça, reste longtemps dans le gros truc quand il est à terre? Ah bah c'est écrit maintenir deux fois quoi. Pour l'embrocher. Je pense que c'est bizarre. On va voir, ça va retenter. Ça va au moins, faut pas se retaper toute la salle. Aïe. Ah viens mon pote, Je vais t'énerver un peu. Allez, viens, allez, approche. Toi, tu penses pouvoir me faire mal? Allez, attaque-moi. Je sais pas, fais un truc. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu marches en mode mec, je me la pète. Putain. Oh putain. Eh cousin, on peut.
Oh. 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 Comment j'ai fait ça, moi? Moi perso, je l'ai tué sans tirer. Ah, dans son cœur, tu dois mettre des petits coups de tronçonneuse. Tu dois rester en continu, tu vois. En gros, maintenir. Ouais, ok, d'accord. Bien pris. Je retiens. Oh putain. Ah putain, il faut pas qu'il arrive à m'accrocher comme tout à l'heure. Non, ça marche pas. Faut que je continue à tirer au flingue dans son cœur. Parce que si je commence à faire du corps à corps avec lui, t'as tout doucement. Faut que j'aille tout doux. Ah, c'est écrit clic droit puis clic gauche maintenir. Non. Ah, oh, je crois qu'il avait réussi à m'avoir. La pute. Putain. Ah merde, il a réussi à en avoir. Non. Ah, comme ça, ok, d'accord, maintenir. Putain. C'est maintenir en fait, les deux en même temps. Attendez, je lis pas trop le chat maintenant, mais. Merci en tout cas, les gars, pour m'avoir aidé. Bah, madame et mec. Oh. 4 balles il me reste. Il en a marre, hein. Oh là là. Oh putain, il me reste plus qu'un. T'es pas réussi à m'avoir. Ok, allez, c'est un mec. Oh. Faut pas qu'il doit m'avoir dans un coin. Allez, je sens que je suis à la fin là. Allez. Ça c'est fait. Putain, me reste 10 balles. Merde, il va m'avoir. Ah merde, ça va. Gros, j'en ai marre de tout ça. Ah putain. Vas-y, tu veux pas mourir, mec. Crève. Il me reste 5 balles. 5 balles. Balle, j'ai plus rien du tout. J'ai à tout ce que j'ai, c'est un cut. Merde, il va m'avoir, je le sens.
Ok, j'ai plus d'appât là, comment je fais? Vous êtes au courant qu'il va, au final, il va réussir à avoir le poteau hein, tout à l'heure. Là quoi, il fait une perd pas la tête, là je suis dans la merde. J'ai pas envie de risquer là. Tout à l'heure elle a réussi à m'avoir en un seul coup. Merde. Ah merde. M'avoir. C'est chaud, c'est chaud. Mais c'est avec le petit cut. Allez, viens, approche. J'ai plus d'armes, alors je prends le cut. Non mais la trotteuse, tronçonneuse, c'est de la merde, putain. J'ai du mal. Oh putain, c'est chaud, c'est chaud. Merde, j'aurais tellement dû l'attaquer. Ah, tout ce qu'il fait c'est s'en prendre à poteau. Mais merde. Ça va, il m'a pas eu. Faut que t'es comme ça. T'as ce truc là, il me sauve la vie hein. S'il arrive à péter le poteau, je suis dans la merde moi. Oh merde. C'est vraiment de la merde, faut plus jamais que j'essaie de cutter comme ça. Attends, attends, on va essayer de l'avoir. Ça suffit, j'avoue. Tu commences à me casser les couilles. J'ai même réussi à te mettre de ça quoi, tu te rends compte? Ah vas-y viens, approche. Attends. Et quand il y aura plus d'essence, je ferai comment moi? Parce que normalement une tronçonneuse il y a de l'essence techniquement. Putain c'est chaud. Sa tronçonneuse aussi lui fait 3 mètres de long. Je passe 15 minutes sur ce mouvement quoi. Putain, je vais mettre des annotations dans le live après. Quand je vais foutre en public parce que j'ai bien passé 20 minutes. Je suis en train de passer 20 minutes sur lui hein. Un boss aussi long j'ai jamais eu. Jamais eu. Putain,
J'ai réussi. Fils de pute. Ceci. Crève, crève, sale merde, va. Et c'est chaud, je sais pas comment vous avez fait quand vous avez joué au jeu les gars, mais... Putain, j'aurais jamais dû utiliser mon fusil à pompe. Ça a genre servi à rien du tout. J'ai perdu genre Blood Edmund. Crève, sale merde. Tu peux pas mourir. Merde. Démarre le moteur, allez. Je suis désolé les gars si ça prend du temps. Hein. J'essaye de... Ah, il faut surtout pas... Et si je crève, au moins j'aurais trouvé la technique, mais... Putain, je vais reprendre encore 4 ans, tu vois. Putain, c'est quoi ce bordel? Allez! Moi ça commence à me saouler. Je compte là les minutes. Hein, à 39, on était toujours dessus. À 1h39. Il est 17h40, putain. T'as plus moi. Comment tu fais pour le buter? Quel dommage, putain. Mais hé, depuis tout à l'heure, je suis en... Allez. Et pour ceux qui savent, dites-moi, parce que je vois pas comment, moi. Hein? Non, j'ai pas réussi. Ouais, bah moi aussi. Je compte bien abandonner tout de suite. Non. Oh putain, j'ai cru que j'allais...
J'en ai marre. Crève, crève, mais crève, putain. Bah c'était écrit tout à l'heure, clic droit plus clic gauche maintenir. Bon attends, je vais retenter après parce que c'est vrai qu'en fait quand il tombe par terre, je vois pas du sang gicler et je pense que j'espère que c'est pas un bug tout ça. Hein. Sinon je suis bloqué dans le jeu là. Alors on va retenter après. Clic droit, clic gauche. Bah non, regardez, j'ai de botter le cul. Attends, ça me semble bizarre tout ça. Le bon compte. Crève. Massacre à la tronçonneuse. Là, ça marche, vous voyez. Là, c'est bien. Quoi? Putain, en plus, là ça avait l'air de marcher hein. Ou alors c'est que vraiment la session du boss elle dure 40 minutes. Et là ça dure vraiment 40 minutes. Putain, je suis en train de me retaper toute la scène tout le temps là. Allez, sérieux, crève, sale merde, va. Putain, jus de merde. Et cette scène-là, elle me casse un peu les couilles, hein. Ah viens, attaque le mur là. Allez! En plus, à chaque fois, il dit les mêmes répliques. Je pense que le jeu est totalement buggé. Hein. Mais j'espère pas. Bon, dans le pire des cas, si c'est buggé, on retentera. Je me ferai exprès de crever parce que. Bon, on va encore tenter là, on sait jamais. Ah, ah. Il y a un truc là-bas. Merde! C'est juste mes fluides chichmiques normales ou. Ah merde, j'ai plus de. Ah si, j'en ai alors. Premier soin. Allez, crève! Petite merde! Hein.
À deux balles. Ouais, bah je pense aussi, mais c'est écrit il faudrait quelque chose de très robuste. De très robuste pour casser ça. Mais une tronçonneuse, c'est pas robuste. Je crois qu'il est totalement bugué. Attendez. Maintenir clic gauche puis clic droit, c'est écrit. Je pense que ouais, non, il est bugué. Tout simplement. Bon, on va retenter une fois après quand il tombe. S'il tombe pas, je vais faire exprès de crever pour redémarrer une session. Parce que c'est hâte d'être bug tout ça. D'ailleurs, j'ai crevé une fois. Non, ça marche pas, regardez. Quel dommage. Bon. Oula, t'es vraiment nul à me dire. Bah, hey, viens à ma place, le jeu il est bugué. Hein. C'est pas moi qui suis nul, regarde, j'arrive pas. Depuis tout à l'heure, je fais que toucher le boss. Mais non, ouais, non, faut. C'est obligé de faire maintenir clic droit et clic gauche. Donc juste qu'il faut continuer. Faut juste continuer. Non mais c'est pas possible, putain, le jeu il est bugué. Ah, il y a encore une bêta de Forerunner. Bon, on va redémarrer, vous savez quoi, parce que... Vas-y, yes. Qu'est-ce que ça commence à me saouler tout ça. Allez. Je veux mourir. Ouais non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Il arrive même pas à m'avoir quand je bouge pas, quoi. Putain. Allez je... il est bugué, regardez. Ça se voit, il arrive même pas à me buter. Voilà, c'est bon, vous êtes mort. Allez hop, on redémarre. Utilisez les sacs suspendus pour ralentir Jack. Sans blague, tu crois que j'utilise quoi? Quoi que je me branle depuis 2 heures. Tu ne peux pas t'échapper. Bah, toi non plus maintenant. Quoi, je vais juste utiliser mon couteau parce que je suis un pro de couteau. Moi, on m'appelle le professionnel de couteau. Vas-y, utilise ta hache contre moi. Vas-y, oh.
Ouais, là, il y a eu un bug. Là. Après, je dois faire un exposé. J'avais carrément oublié ça. Allez. Gâche tes munitions, gamin. Je sais que je gâche mes munitions. Je vais d'abord prendre la tienne. Génial. Voilà, ça c'est un garçon intelligent. Je commence dès le début à la sommer comme ça. Redémarrer le moteur. Et tu vas pas me faire chier 3 ans toi. T'inquiète pas. Oh, oh, ça marche. Regardez. Pute! Fils de pute! J'ai fini avec toi, putain! 20 minutes, mon pote! 20 minutes! 30 minutes quasiment, putain! Ouh! Mais voilà, c'est fini. Évite de ressusciter. Putain, j'avoue, évite de ressusciter maintenant. Ah! Bon, on va pouvoir enfin continuer. Tu je pense qu'on a quasiment fini. Hein. Ou alors il y a un truc à récupérer. Non, hop. Non, c'est pas ça. Ah si, voilà. Ah non, on peut. Eh merde, elle est morte. Quel dommage, c'était une belle tronçonneuse. Vous avez vu ma main, comment elle est quand même. Regardez, elle est genre comme les peaux de bébé. Non, ça se voit pas. Tant pis, on verra ça plus tard. Il y a un truc qui me choque. Il n'y a pas un truc à faire avec lui parce que... Bah non, y'a rien à faire. Faut aller où maintenant? Obtenir les 3 têtes de chien. Ah bah c'est bon, j'ai une tête de chien rouge. Une tête de chien en cuivre. Ok. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont débloquées, genre. Parce que je pensais qu'on pouvait aller directement maintenant, aller... Vous voyez là-dedans, la pièce de... Je croyais qu'on pouvait y aller, moi. Ah, il y a un truc qui respawn, poutre et canon. Je croyais moi qu'on pouvait y aller, mais du coup on peut pas alors. Bon bah du coup tant pis, on va aller remettre la tête. Connard. Oh là là. Enfin c'est fini. Attendez, est-ce qu'il peut encore avoir des ennemis hein. Pas d'ennemis. Non, pas d'ennemis, nickel. De toute manière, j'ai pas envie d'user mes munitions pour rien. Allez, hop, on se barre. À part si cette porte-là veut bien s'ouvrir maintenant. Non, ouvre.
verrouillé de l'autre côté. Ah, je vais aller ranger cette foutue tête de chien maintenant. Mémé! Faut arrêter. Faut arrêter de prendre de la drogue et te téléporter comme ça. Oh là là, enregistré. Ah! Enfin! Bon, il n'y avait pas des trucs que j'avais posé que je peux peut-être récupérer. Du coup, non. Du coup, non. Peut-être non, on va peut-être déposer ça. Bah non, on va garder, vous savez quoi, on va garder. Allez, c'est parti, on va bientôt s'arrêter là. Je vais aller poser la tête de chien et puis normalement tout sera bon. La mémé a disparu. La mémé a encore disparu. Et nous voilà dehors maintenant. Enfin, putain, après des heures et des heures d'attente. Faut un peu explorer le temps. Parce que voilà. Alors je suis. Ah merde, d'ailleurs, vous me voyez plus quasiment maintenant. J'en suis désolé. On va. Là, il y a encore de la poudre à canon. Tu sais quoi, on va aller dans la caravane. Je pense que je la sors bien à la caravane en plus. Mais j'avais raison, il y a des trucs, c'est quoi? Stéroïde augmente. Ah, je pense qu'on peut mettre des. On peut mettre des. Ah, des pièces, vous voyez, de. Comment dire ça? Bah, des pièces, on peut mettre. Des pièces en tégoula. Mon corps est de plus en plus bizarre, je serai comme. Comme papa et maman, tout est de ma faute. Qu'est-ce que je. Est-ce que je dois m'enfuir? Non, impossible, ça me rend con. Si elle s'en rend compte, elle me tuera. Si cette femme qui l'accompagnait, Mia, elle sait quelque chose. Si j'avais le sérum, je pourrais me soigner. Il faut que j'en sache plus. Quel forum sérum. Il est trop tard pour eux. Ok. Ah, pièce antique. Ah bah putain, j'ai plus de place à te dire. On va. C'est peut-être à Zoé. Ouais, bah Zoé. À ce que je vois, on porte des soutifs. On a des petits ça, à ce que je vois. Par contre. Hop, allez. Allez, attends. Ah, il y a flingue là. Pistolet cassé. Attendez, du coup. On va déposer des trucs là. Genre l'herbe, on peut déposer. Le poudre à canon, on peut déposer. On va récupérer nos pièces antiques. On va voir qu'est-ce qu'on peut. Attendez. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Alors, ça, on a déjà eu les stéroïdes et tout. Et ça, c'est quoi? Il en faut 9 et j'en ai que 6 pour l'instant. Alors, plus celle-ci, ça fait 6. Et du coup, il y a pistolet cassé, j'ai vu sur le côté. Bon, après, on va aller visiter vite fait les lieux, hein, sur les côtés et tout. Voilà, allez hop. On va sauvegarder. On va aller un peu visiter sur les côtés et puis on verra qu'est-ce qu'il y a sur les côtés. Pourquoi à chaque fois que j'ouvre une porte, t'es obligé tout le temps de me téléphoner, toi? Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça va m'aider à sortir d'ici? Oui, écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infectée. Et c'est pareil pour Mia. Est-ce qu'il y a un antidote? Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Utile. Si je le savais, je serais déjà parti d'ici. Mais je crois que ma mère l'a caché quelque part dans la vieille maison. Donc si on le trouve, on pourrait aider Mia et on pourra sortir. Oui. Et moi aussi. La vieille maison est au bord de l'eau. On ne peut pas la rater. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Mère ? Sois prudent. Ils vont être après toi. Ok. La vieille maison, je pense que c'est la vieille maison dont dont parlait vous rappelez le flashback qu'on a eu là. Je pense que c'est cette vieille maison là. Du coup, on va un peu visiter là sur les côtés. J'ai pas eu le temps.
pièces antiques, ça fait 7. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? De l'air, nickel. Ah! Il y a un truc là. Minko. Kit de réparation. Oh, ben voilà, mais nickel, on a un nouveau pistolet et tout. Ça, je m'en fous personnellement de l'air maintenant. J'ai tellement d'objets sur moi. Kit de réparation, nickel. Bah, vous savez quoi, on va aller réparer le pistolet, on va s'arrêter là. Allez hop. Attendez, on va quand même. Bah, sur les côtés, j'ai vérifié là-bas. Comme on voit. C'est rien. Ah. Ça ne s'ouvre pas. Il faut un chiffre 7 ici. Et ce truc là, comment on l'active? Ici peut-être? Non. C'est quoi tout ça? Supplément. Faut trouver des petites disquettes, d'accord. Et c'est sûrement là-bas la vieille maison. D'accord, d'accord. Bon, bah du coup, on va rentrer dans la vieille baraque. Hop, on va réparer le pistolet. Donc c'est un pistolet beaucoup plus puissant, je pense. Non, hop. Nickel, c'est quoi? Pistolet relativement puissant. Bien qu'en mauvais état, il peut encore nous servir. Nickel, ça c'est beau ça. Ça c'est bien. Voilà, ici, bingo. Voilà, nickel, on a un nouveau pistolet. Ah, mais je crois que c'est le pistolet qu'on avait eu au tout départ. Bon, mais voilà, nickel. Ah, ici on peut poser une cassette. Il y a une cassette d'ailleurs, ici? Pas. Ou alors c'est juste moi qui suis con, j'ai raté. Non, il n'y a pas de cassette. Pas de cassette du tout. Pas là non plus, là-bas non plus. Dans le frigo, normalement j'ai vérifié, mais il n'y a rien. Pas de cassette. En tout cas, la nourriture ici dans le frigo, c'est meilleur. Du coup, voilà, hop, on va s'arrêter là. Voilà, voilà. Et donc, du coup, voilà, hop, on va quitter tout ça. Voilà, alors j'espère que cet épisode 1 vous a plu. J'ai. Voilà, personnellement, moi ça m'a plu. Vraiment, par rapport à l'épisode 0 où vraiment là j'avais pas de couilles. Du coup voilà, là ça a été mieux, on a bien avancé dans le jeu, ça fait 2 heures qu'on est sur le jeu. C'était bien un bug je pense, ce qu'on a fait eu, parce que voilà, voilà, voilà. Donc du coup voilà, on va se laisser là pour ce live, moi je vais aller faire mon exposé. Et donc du coup voilà, on se retrouvera normalement demain pour la suite, j'espère en tout cas, encore une suite. Hein. Donc voilà, moi je vous dis ciao, c'était Monsieur Max. Et un dernier mot, hein, j'ai envie de vous dire, juste papa, voilà. Allez, ciao. Je reprends ça. Coucou, alors attendez. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, me revoilà, ok. Alors du coup, je vais hâte de regarder parce qu'en fait j'attends depuis 3 heures. Je vous explique. Et le live continue à tourner. Le live est fini pour ceux qui sont toujours là. Jusqu'à y a eu un bug, je redémarre le live pour le terminer. Donc du coup, je disais un dernier mot. Ciao, à plus. Ciao, ouais, les gars.